Et bonjour les Guériens et vous qui passez par là, essayez de m'accueillir chez vous pour un petit tirage breloque aujourd'hui, d'accord? Un petit tirage breloque. Alors, on va voir. On va faire une petite vidéo, voilà, pas faire une trop longue. Donc, on va pas prendre trop de breloques. Et on va y aller, les amis, tout de suite, pour voir ce qui se passe un petit peu ce moment-ci. Ma petite main. Pas trop de breloques, il y en a quand même, hein? Doit encore être toiletté parce qu'on l'a toiletté qu'une fois, il sort tout le temps sa petite langue. En fait, juste un petit truc que je vais vous dire, c'est quand Sushi il sortait sa langue comme ça à la fin, et je me dis ça va me manquer, mais qu'est-ce que ça va me manquer sa petite langue qui sort. Et chaque fois qu'il sortait la langue, je faisais une photo. Et puis depuis que j'ai celui-ci, ben il sort la langue tout le temps. Alors tout le temps, je pense à Sushi. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, si vous avez des chaises qui sortent la langue comme ça tout le temps, ben, je sais pas. Mets-toi. Sinon, tu vas aller faire pipi, ça va pas. Oui, on va pas faire pipi maintenant. Bon, on y va, les amis. D'accord? Allez. Alors. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Alors, on a de la chance en amour, on a un coup de foudre, on a un coup de foudre, on a, je sais pas, je vois ici potion magique, mais... je sais pas, à vous de voir. Je vois le bonheur, je vois le soleil, je vois l'abondance, du travail aussi. Je vois du travail aussi. De l'amour dans l'amour, on retrouve un équilibre, on retrouve la justice aussi par rapport à votre situation amoureuse ou par rapport à quelque chose qui concerne votre couple, bien sûr. On a le love dans l'amour, donc on a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, hein. On a la chance, on a la bonne direction, on a la protection, on a l'équilibre. On a l'équilibre, on a un enfant aussi, éventuellement. On a un enfant. Alors. Bon. Il y a une personne qui pourrait être dangereuse. Alors, ça peut être une personne qui peut être dangereuse dans la, en ami, en, dans l'amour ici, mais c'est peut-être aussi une personne qui travaille, enfin, qui doit être armé, donc un militaire ou voilà, ça peut parler de ça aussi. Donc ça peut être du danger comme ça peut ne pas être du danger du tout. Un policier, etc. etc. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de l'amour aussi encore ici. L'amour à partager. Mon Dieu. On fait la fête, on peut aussi avoir des repas de famille. Bon, j'ai encore quelques personnes qui sont malades, hein, dans la famille. Donc, soyez vigilants. N'apportez pas des virus si vous savez que vous en avez. S'il vous plaît. Vous pourriez en attraper au travail. Attraper des virus au travail. Donc, soyez quand même assez vigilants par rapport à certaines personnes qui seraient plus fragiles dans votre famille. D'accord? On a une réconciliation familiale. J'ai une réconciliation familiale. J'ai un nouveau couple. Alors, j'ai ici une rencontre. Alors, j'ai la famille, j'ai le travail. Donc, et j'ai un couple. Ou j'ai des enfants. Voilà, si ça vous parle. Alors. Une rencontre fortuite. Une rencontre, la rencontre d'une personne
qui vient chez vous, qui vient dans votre famille. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais ce n'est pas toujours la même personne qui doit arroser les plantes. Que ce soit au travail ou que ce soit en famille. Donc ce n'est pas toujours la même personne qui doit faire les mêmes choses, à mon avis, ou qui doit faire les mêmes corvées. J'ai un travail dans la restauration, j'ai un travail dans ce qui est nourriture. J'ai une visite familiale, voilà une grosse protection ici par rapport à vous, vous avez une grosse grosse protection, on a un repas mais pas vraiment un repas, un cocktail, ouais, un brunch. Alors, oh, alors là, il y a des choses que vous voulez réussir, vous allez les réussir. Vous allez les réussir, même si c'est un rêve. Vous avez ici une très très grande protection, encore une fois, avec un ange ici, oui, avec un ange. Donc, priez si vous pouvez. J'ai un cadeau, un cadeau de famille. On va vous offrir quelque chose de famille, une bague, quelque chose comme ça. Autre chose, je ne sais pas, mais quelque chose qu'on dirait que c'est un bijou de famille plutôt. Bon, j'ai un voyage amoureux, un voyage d'amour. On pourrait tomber sur une tombée. On pourrait faire une rencontre amoureuse dans un autre pays. On fuit le froid. Moi, j'ai la Pâque, hein, les fêtes de Pâques qui sont là. Si je dis des pancakes, du sucre d'érable, du sirop d'érable. Ça vous parle? En tout cas, il y a des moments qui vont être immortalisés, inoubliables. On a une réconciliation familiale, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas, de toute façon, on a une réconciliation de famille. On va peut-être trouver un travail. Alors là, un travail un peu bizarre, comme bizarre, enfin, un travail comme être une attraction à Disney, par exemple, un personnage plutôt à Disney. Je vois un truc ce style-là. Il y a beaucoup d'amour là, ces énergies. Beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges. Si vous attendez des nouvelles du travail, vous allez en avoir. Vous allez avoir. Ah, peut-être que vous êtes dans le trouble par rapport au travail. Ne le soyez pas. Les choses rentrent dans l'ordre. Donc, travail retrouvé, travail trouvé. Quelque chose d'ancré. Sur du long terme. Donc ici, on se retrouve sur du long terme dans des énergies de travail. Ouais. On est courageux ici. On vous demande d'être courageux, mais il y a du courage. Il y a du courage et il y aura une forme de récompense. J'ai beaucoup de moyens de locomotion.
Là, on est dans les finances, là, on est dans la maison. Dans la maison, dans... Oui, dans la maison, le foyer. Mais ça, c'est la famille. Là, c'est vous, là, c'est l'amour, le travail, l'amitié et les voyages. On va retrouver un amoureux ici. On va partir. On va faire du... On va prendre une décision qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais on prend la décision par amour. N'oubliez pas, je sais pas, n'oubliez pas vos animaux de compagnie. On va faire la fête aussi. On voyage, faire la fête. On va faire la fête. Oh! Un livre de cuisine. Tarte aux pommes. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ici, on cuisine à la maison. Est-ce que vous allez recevoir? On fait des... J'ai plutôt de la pâtisserie. J'ai des invités qui vont venir rester chez vous. Ou vous allez vous rester chez des gens. Je vois des invités, soit c'est vous, soit c'est l'autre, d'autres personnes, mais il y a des invités. Il y a des personnes qui vont venir visiter votre maison. En tout cas, il y a quelque chose qui est en rapport avec vos finances ici. Il y a rien, il y a rien, mon petit chien. Il y a l'amour d'une... On conjure. Il y a le mauvais sort est conjuré par rapport aux finances. Oui, par rapport aux finances, ça s'arrange. On retrouve un équilibre financier si ce n'était pas le cas. On retrouve la fidélité. Je suis dans les finances. Hein. Oh, on retrouve la fidélité. On retrouve beaucoup d'argent. On retrouve des choses qui ont de la valeur. On s'ancre, les amis. On est sage. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Il est temps de faire quelque chose concernant le travail et les finances. On a la protection. Finances, j'ai encore un Mickey. Waouh! J'ai que des hiboux ici. Que la chance. J'en ai là aussi, hein. Mais j'ai beaucoup de hiboux, finalement. Donc, on a beaucoup de chance. On a une toile. Des choses qui sont dites. La maison. J'ai l'achat, la vente, la location d'une maison. Qui va se faire? Vous allez avoir les clés de la maison grâce à un crédit pour certains. J'ai l'enfant, un bébé, quelque chose de... Ou une nouvelle histoire avec la maison. Ou un bébé. Alors, je sais pas, j'ai un parfum, une eau de toilette qui va vous rappeler quelque chose ou quelqu'un dans une maison ou dans votre maison. Quelqu'un, voilà, il y a un parfum. Retenez qu'il y a un parfum qui va vous dire quelque chose ou vous parler. Oui, il est possible quand même qu'il y ait un braquage de banque ou un truc comme ça. Peut-être dans votre quartier. Ou... Alors faites attention parce que pour certains, ça va.
vous êtes trop envahissant dans une amitié. Hein. Vous êtes trop envahissant ou envahissante. Donc il faudrait faire attention parce que ça va. L'autre personne va vous dire, oh, t'es un petit peu chiant, chiante. Mais ça va aller. On va se libérer de cette charge, de ce poids de cette personne. Ou on va se libérer de devoir faire certaines choses dans cette amitié. Peut-être. Alors. Oh. On a la plume, on a l'étoile, on a un cheval et on a un comment ça s'appelle? Allez, un muffin. Bon, bah écoutez, ici, pour moi, on a la protection, on a la joie, on a la puissance, on a la force, on a la fête. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment ce qui est ressorti pour tout. Donc, écoutez, moi, je pense que tout est positif. Même les petites choses qui pourraient avoir été négatives ici, elles sont positives, finalement. Donc, c'est que du bonheur. Que du bonheur, les amis. Ah, mon chien, que du bonheur. C'est tout ça. Moi, je suis gênée de te montrer comme ça. On n'a pas su le toiletter comme c'était la première fois. Ouais, la fille, elle a fait ce qu'elle a pu. Enfin, ça me gêne un peu de le montrer comme ça, mais bon. Il était trop petit pour pouvoir lui faire un toilettage complet, et puis trop fougueux. Donc voilà. Pas pipi, hein, s'il te plaît, pas pipi. On va aller, on va aller. Pas faire pipi. Ben voilà, les amis. On va peut-être en rester là. Et je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura quand même un peu parlé aussi. Moi, je sais qu'on aime les breloques, on aime ça changer un peu des cartes. Oh, il va dans son panier, c'est parfait. Et voilà. Donc, que du bonheur. C'est très très positif tout ça. Ça peut faire réfléchir, ça peut donner des idées. En tout cas, c'est parfait pour moi. On retrouve des équilibres, on a plein de protection. On n'a que du bonheur, franchement. Beaucoup beaucoup de bonheur. Voilà, les amis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.